Jamais. Quand le Rebbe il avait 3 ans, 4 ans, je ne sais pas quel âge, quand il était petit, dans son jardin, il y avait un grand arbre. Et les enfants, ils jouaient à monter sur l'arbre. Quand ils arrivaient au milieu de l'arbre, ils avaient peur de retourner en bas. Et lui, le Rebbe, il montait doucement. Une fois, ils ont demandé à sa maman, la rabbinite Hana, comment le Rebbe il fait. Elle a dit, mon mendel à moi. Quand il monte, il ne regarde pas en bas, il ne regarde pas en haut. Mon mendel à moi, il ne regarde pas en bas, il regarde pas en haut. Le Rebbe, il va en haut. Et le Rebbe, quand il a pris la Nessiout, il a dit, moi, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Je suis Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait descendre Dieu sur terre, et c'est ce qu'on doit faire. C'est notre travail. Donc le Rebbe, il continue, le Rebbe, il avance. Et aujourd'hui, la veille de Teves, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on monte dans la locomotive du Rebbe, ou est-ce qu'on dort sur le quai? C'est la seule question qu'on peut faire. Le Rebbe, lui, il avance. Si on veut monter, il avance. Si on ne veut pas monter, il avance aussi. Chaim, Chaim.